Aujourd'hui, on va parler d'un truc hyper important. On va parler d'un sujet qui m'est extrêmement personnel et je vais tout dire sans aucun tabou. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle un peu communément un problème de fille. Donc, disclaimer important avant de commencer, si tu es du genre à faire la 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 quand tu entends les mots la ou si tu es du genre à ressentir un profond malaise lorsque tu regardes la télé avec tes amis et que vous tombez sur une pub avec du sang bleu. Comment ça marche? Contrairement à la cellulose, ils absorbent le liquide tout en le gélifiant. Les 10 minutes qui vont suivre vont peut-être être un peu désagréables pour toi, hein. Mais je t'en supplie, regarde cette vidéo jusqu'au bout, elle est extrêmement importante et en plus, je te promets que 1, ça va être instructif. 2, on va dédramatiser. Et 3, je te promets de faire en sorte que ce soit moins désagréable qu'une pub Vania. Je t'apporte ton cadeau mensuel, chérie, tes règles. Tu ferais mieux d'arrêter de danser. Je suis d'accord. Softex, pour nous et tellement nous. Vous laissant fraîche et protégée pour garder l'esprit léger toute la journée. Passez une bonne semaine. Ta gueule. Ah oui, et autre disclaimer très important, si possiblement toi derrière ton écran tu es l'homme de ma vie, toi tu as le droit de passer ton chemin. Voilà, parce que cette vidéo va peut-être un petit peu casser mon image de princesse. Alors, de quoi allons-nous? Alors aujourd'hui, on parle. Qu'est-ce que. Vous entendez vous aussi? Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour à tous! Et bienvenue dans Qui veut gagner des millions? Bonjour DL! Nous sommes toujours dans Qui veut gagner des millions, DL, prochaine question. Alors DL, qu'est-ce qui touche plus d'une femme sur 10 de la population? Dominique Strauss-Kahn, réponse A. Une technique de survie majoritairement féminine, mais également bien connue de certaines catégories de footballeurs italiens, la simulation, réponse B. Le trouble abyssal causé par le désarroi et l'impuissance que l'on ressent face aux inégalités prégnantes qu'il existe entre hommes et femmes dans une société bien trop archaïque et paternaliste guidée par des principes désuets, pernicieux et inconscients. Réponse C. L'endométriose. Réponse D. L'endométrie quoi? L'endométriose. L'endométriose, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous lis la définition de ce qui est considéré à ce jour comme la meilleure source de contenu scientifique et médical, Google Search. L'endométriose est un dysfonctionnement d'ordre gynécologique qui se caractérise par une inflammation du tissu utérin. Alors, pour présenter les choses de manière un peu plus simple et schématique, et pour ne pas risquer de perdre certaines personnes en chemin, disons de manière très résumée que l'endométriose, c'est le fait que le tissu utérin, donc ce qu'on appelle l'endomètre, s'épaississe un peu plus que la normale, et du coup ait tendance à s'étendre au-delà de la zone où il est censé rester confiné. Cet épaississement provoque de fortes douleurs chez les femmes qui en sont atteintes. Ça peut aussi engendrer des difficultés à procréer, à faire des enfants. Ouais, je traduis, je suis comme ça. Et ça peut aussi, chez certaines personnes, mais c'est beaucoup plus rare, rendre les rapports sexuels douloureux. C'est pas tout, vous inquiétez pas. L'endométriose, c'est un mal mystérieux. Oui, mystérieux, je vous jure que c'est le terme qui est employé sur Doctissimo. Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Alors, mystérieux pour trois raisons. Parce que d'une part, ça fait pas très longtemps qu'on l'a découvert, ou peut-être que je devrais dire qu'on s'en préoccupe. Parce que souvent, les médecins passent à côté et souvent, on ne la diagnostique pas. Donc la plupart des femmes qui sont atteintes d'endométriose, souvent, l'ignorent.
et aussi parce qu'on ne sait pas très bien d'où elle vient ou ce qui la provoque. En d'autres termes, l'endométriose, c'est un peu le Démogorgon. Ça faisait très longtemps que je voulais partager mon expérience de l'endométriose parce que on n'en parle pas assez, que c'est un sujet trop peu connu, c'est encore trop tabou. Et en même temps, j'avais beaucoup de réticence à ce sujet parce que je déteste en parler. Puis en fait, il y a une partie de moi qui déteste l'idée qu'on ne puisse voir en moi que mes dysfonctionnements féminins. Et puis, il est vrai que parler de son utérus, de ses règles, je me suis toujours dit que ça retirait un peu de notre sex appeal. Voilà, ce ne sont pas les sujets les plus glamour du monde. Et déjà que mon pouvoir d'attractivité n'est pas forcément à son paroxysme. J'avais un peu peur qu'en en parlant, ça revienne un peu à me tirer une balle dans le pied dans ma quête de l'homme de ma vie. Parce que quand on côtoie un peu un garçon, qu'on draguille quelqu'un, on préfère qu'il se dise « Hey, cette fille est sympa, jolie et drôle » plutôt que « Je me demande dans quel état est son utérus en ce moment ?» Mais aujourd'hui, je franchis le cap et on va parler des trois mystères de l'endométriose et mon expérience personnelle par rapport à chacun d'eux. Et puis aussi parce que y a énormément de choses à dire sur le sujet, mais j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue, je ferai très certainement une deuxième vidéo pour ne parler que particulièrement des symptômes de l'endométriose, que vous puissiez éventuellement les reconnaître si vous en souffrez, et des conséquences que l'endométriose ou que des traitements peuvent avoir sur notre vie de femme. Mais ne vous inquiétez pas, en général, ça finit plutôt bien. Ça ne fait pas très longtemps qu'on l'a découvert et qu'on en parle. Effectivement, pendant des siècles et des siècles, les symptômes de cette maladie ont été allègrement ignorés par l'ensemble du corps médical. Bienvenue à notre cours d'introduction à la médecine. Première leçon. Un patient se présente et se plaint de douleurs chroniques et invalidantes dans le bas de l'abdomen. Que faites-vous ? Mais c'est très simple. Si c'est un homme, conduisez des analyses supplémentaires. Monsieur ? Si jamais c'est une femme, du coup ? Si c'est une femme, patientez. Si c'est une femme... Voilà. Si c'est une femme, ça n'est rien du tout. Renvoyez-la chez elle. Oui, mais monsieur, si jamais elle insiste. Si elle insiste, c'est sans doute dans sa tête. Envoyez-la voir un psychologue. Bienvenue à notre cours d'introduction à la psychologie. Première leçon, si une femme se présente devant vous et qu'elle se plaint de quoi que ce soit, c'est très simple, c'est soit de l'hystérie, soit de la folie, soit de la sorcellerie. Dans tous les cas, il n'y a que deux traitements possibles, soit brûlez-la sur un bûcher en place publique, ou alors prescrivez-lui d'aller bien se faire tromper. Et c'est même pas une blague. Beaucoup de praticiens de la médecine à une époque prescrivaient des séances de stimulation génitale pour calmer les nerfs des femmes. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que le premier vibromasseur à vapeur a été inventé, puis électrique. Hein. Et à l'époque, ça avait une visée totalement médicale et pas du tout érotique. Mais quoi qu'il en soit, je considère que c'est un petit peu grâce à nous. De rien, les filles. Et l'endométriose a donc été découverte seulement en 1860, ça veut dire il y a à peine 160 ans. Après la découverte de l'Amérique, après l'invention de l'automobile, après la naissance de Michel Drucker. Et pourquoi ça a mis autant de temps? Tout simplement parce que, comme je disais, ça touche à un problème qui est tabou. On parle de l'intimité des femmes, de leur sexualité, des choses dont les femmes n'ont pas vraiment envie de parler et des choses que les hommes n'ont pas vraiment envie d'entendre. Ce qui nous amène au mystère numéro 2, le fait que les médecins ne la diagnostiquent pas ou mettent extrêmement longtemps avant de la déceler, en moyenne 7 à 10 ans. Et pourquoi? Tout simplement parce que l'un des symptômes principaux de l'endométriose, et ça n'est pas le seul, on y reviendra dans la deuxième vidéo, c'est le fait d'avoir extrêmement mal au ventre quand on a ses règles. Mais le problème, c'est qu'il est plus ou moins acquis dans l'inconscient collectif que le fait d'avoir un peu mal au ventre pendant son cycle est totalement normal. Lorsqu'une femme va dire à son médecin qu'elle a mal au ventre pendant ses règles, il va lui dire
C'est tout à fait normal, je vous prescris un peu de Doliprane. Et si elle lui dit « Non, mais j'ai vraiment, vraiment mal au ventre », il va lui dire « Oh, madame est un petit peu douillette, je vous prescris un peu d'Antadis. » Et on ne cherche pas plus loin. Et je sais même pas si je dois blâmer tous les médecins auxquels j'ai été confrontée, puisque même moi, j'étais pas très insistante par rapport à ça. Et effectivement, j'ai spécifié à plusieurs généralistes ou à plusieurs gynécos que j'avais des règles extrêmement douloureuses, mais le fait que pour eux ce soit normal alimentait un peu aussi, moi, dans ma tête, le fait que c'était totalement normal. Et du coup, je constatais simplement que tous les antidouleurs qu'on me prescrivait n'avaient absolument aucun effet. Et je me disais, de toute façon, c'est la vie, c'est la nature, c'est comme ça. Toutes les femmes ont mal au ventre pendant qu'elles ont leurs règles. Pas besoin de s'inquiéter plus que ça, dans 3 jours, ce sera passé. Alors bon, faut quand même que je vous raconte comment mon endométriose a fini par être diagnostiquée. En fait, c'est assez marrant parce que ça a été découvert totalement par hasard, parce que j'ai frôlé la mort. Oui, je vous avais dit, c'était un petit peu cocasse. L'année de mes 29 ans, j'ai fait une thrombose cérébrale. Ouais, un accident de santé très sérieux. Donc un caillot de sang s'est formé dans l'une des artères qui mènent à mon cerveau. Et les thromboses cérébrales, souvent, sont causées par la pilule ou le fait d'allier la pilule et le tabac. Du coup, la neurologue qui m'a suivie à cette époque-là m'a adressée vers une gynécologue spécialiste de ces questions-là, parce que seulement elle pourrait déterminer si j'avais le droit de reprendre la pilule, à partir de quand et sous quelles conditions. Mon rendez-vous avec cette gynéco a été un pur bonheur. Je vous jure que ça s'est passé comme ça. Installez-vous. Ah oui, non mais là, madame... Non mais là, madame, je peux pas. Regardez-moi ça, là, avec ce gros ventre, là, toute cette graisse, hein? Oh no, she didn't. Je peux pas vous ausculter correctement, madame, c'est impossible, hein? Dans ces cas-là, on va prescrire une petite échographie ou une IRM pelvienne, hein? Ce sera mieux. Et c'est donc à l'occasion de ces examens-là qu'on a constaté le problème. Donc pour que mon endométriose à moi soit diagnostiquée, il a donc fallu réunir 3 conditions. Frôler la mort à cause d'une thrombophlébite cérébrale, un rendez-vous avec une nasse de gynéco totalement dénuée de tact, et être obèse. Imaginez donc toutes les filles qui ne réunissent pas ces 3 conditions, combien d'entre elles sont atteintes d'endométriose et ne le découvriront peut-être jamais. Et c'est plutôt dommage parce qu'une endométriose non traitée peut avoir des conséquences catastrophiques. Moi, par exemple, le fait que j'ai fait une thrombophlébite cérébrale à un moment donné de ma vie n'est sans doute pas un hasard, puisque l'endométriose, on le sait, provoque de très très grosses carences en fer et que ça joue dans l'apparition de caillots dans le corps humain. Ce qui nous amène au 3e mystère, le fait qu'il y a encore beaucoup de doutes sur les causes et les origines de cette maladie. Certains articles évoquent le fait que ça pourrait venir d'un facteur génétique, d'autres le réfutent complètement. En tout cas, si jamais ça vient d'un facteur génétique, j'ai envie de dire, pas de chance. Et puis, il y a aussi certaines études scientifiques qui paraissent et qui tendraient à prouver, mais bon, je parle au conditionnel, hein, que tous les perturbateurs endocriniens auxquels on est soumis pourraient jouer, et aussi le fait que dans nos sociétés actuelles, on consomme trop de viande rouge et de laitage, et que ça, ce sera un terrain propice au développement de la maladie, ou en tout cas, à l'intensité des symptômes. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Bon, allez, j'ai même pas abordé tout ce que je voulais dire sur l'endométriose, il y a énormément à dire, mais comme je vous disais, je voulais pas que cette vidéo soit trop longue. Je posterai une 2e vidéo la semaine prochaine où je parlerai plus spécifiquement des symptômes et des conséquences de l'endométriose sur notre vie de femme. En tout cas, si vous avez envie de partager votre expérience sur le sujet, si vous avez un cursus médical et que vous avez envie d'apporter des précisions sur ce que je viens de dire, ou même de corriger des choses ou des erreurs que j'aurais pu commettre, surtout n'hésitez pas à balancer des commentaires ou à m'envoyer des messages. Au contraire, comme je l'ai dit, c'est un sujet important, il faut qu'on en parle. Je vous laisse dans la barre de description de cette vidéo des liens vers d'autres vidéos sur le sujet qui sont hyper intéressantes et dans lesquelles j'ai moi-même appris des choses, et d'ailleurs certaines choses qui sont évoquées dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la vidéo sur les symptômes, et d'ici là, je vous fais plein de petits bisous coagulés. Salut. C'est bon pour le moral. Non, 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 hell no, no.